bonjour et bienvenue sur Banzai Live. Regardez-moi la qualité de ce jeu. C'est quand même... En plus, ça fait partie des grands cadeaux du Game Pass. Microsoft, quand vous voulez en fait une OP, je sais que vous en avez déjà fait. Lawn Mowing Simulator, donc le simulateur de tondeuse à gazon, qui apparemment a été bien noté par la presse. Reste à savoir si c'est une Astérix SAD ou pas. On y joue sur la Xbox Series S, on stream ça à 50 FPS parce qu'on est des oufs. J'ai très très hâte, vraiment, de découvrir avec vous la qualité du jeu. Ah ouais, mais du coup... J'ai un pote qui a tout ambiancé... On a joué sur ma gueule. Comment je pourrais... On va essayer de se débrouiller. Mode défi. Créer une nouvelle carrière. Bah oui, voilà. Avec les tutoriels, s'il vous plaît. C'est parti. C'est super fort. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Merci bien. Donc, est-ce que ce jeu va nous donner envie d'aller chez notre grand-mère ce week-end et lui proposer de tondre son gazon parce qu'en fait on a maxé, ou est-ce que justement ça va faire rager votre femme parce que ça fait 3 ans que vous avez pas tondu le gazon et que là elle va vous retrouver en pleine nuit en train de tondre un gazon virtuel? Voyons voir si... Et elle va dire genre, putain, déjà que tu t'occupes pas de ma pelouse. C'est parti, mode carrière. Dans ce mode, tu crées ta propre entreprise de tonte et cherches à améliorer sa réputation. Au fur et à mesure que tu développes ton entreprise, oui, je suis fier de moi, tu pourras embaucher les employés, acheter plus de tondeuses, ce qui est quand même le rêve de tout homme, et débloquer de nouveaux contrats. Attendez, on a un beau fond vert, donc je peux même faire prendre le risque de, voilà, de capter jusqu'à ce que ma main disparaisse pas trop. Un jeu qui a été mieux noté que Lost Odyssey, hein. Mais d'abord, ton entreprise a besoin d'un nom. Ça s'appellera... Quand il y a de la pelouse. Non mais, par contre, en mode jeunes... Merci FF Maniac. Ah non, regarde, on va faire... On va imaginer que c'est une entreprise qui est canoise. Voilà. Ah, notre logo. Celui-là, il est un... Je sais pas si j'ai l'esprit mal placé ou pas. Je trouve qu'il est... Alors, on va modifier le joueur. À quoi on veut ressembler? Alors, du coup, là, c'est tonton. C'est un rang. Merci, One Monster Cat, pour l'abonnement. Vous êtes presque re-800. C'est magnifique. Alors, on veut jouer avec... Oh, mais il est là! On peut changer de casquette, hein, ce qui est quand même...
Voilà, pas trop de fantaisie s'il vous plaît. Le logo. Attendez, l'emplacement du logo. Pas de logo. Avant, arrière, avant, arrière seulement. Non mais avant, arrière. La couleur de l'uniforme, elle est bleue. Ah non, oh là là. Pff. Ah ouais, mais attends. Je le confirme. Ah non, mais elle a deux couleurs. Oh là là, tu peux être un Power Ranger, putain, c'est trop bien. Ah bah tu peux vraiment être jaune devant, marron derrière. Bah, c'est magnifique. Enfin, à l'inverse même. Non, on va faire justement ça. Le brouteur. Peut-être pas assez marron là. Voilà, merci. Voilà, il est jaune devant, marron derrière. C'est déjà le jeu, il est mieux qu'Astérix quoi. Oui, je démarre ma société. Maintenant que tu as ta propre rue, tu vas pouvoir avoir besoin de ton premier véhicule pour commencer à tondre. Choisis un véhicule dans la liste ci-dessous pour effectuer un essai de conduite. C'est un harang. Ah, j'ai mal écrit quand ? Quoi ? Faute d'orthographe, c'est K-A-E-N. C-A-E-N. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi tu me tags quand tu parles dans le vent ? Terrible ! Alors, le plateau à l'éjection latérale, mode car, ce véhicule est équipé d'un plateau gestant latéral, il décharge de l'herbe tendue sur le côté, garde un œil sur le côté duquel est éjectée l'herbe afin d'éviter d'en projeter sur les parterres de fleurs, ce serait terrible. Ce véhicule est équipé d'un plateau broyeur qui déchiquette l'herbe tendue de telle sorte qu'aucun brin n'est visible, il ne laissera donc aucun tas d'herbe par terre, sauf si ton véhicule est en surcharge moteur qui ne peut plus alimenter le plateau. Ça c'est bien, parce que le bac c'est chiant quoi. Je sais pas si vous avez vécu des étés où votre daron, nous on avait beaucoup trop de gazon. Et du coup ça fait des monticules énormes, il fait 12 000 allers-retours et après il faut les fourcher. Et pour faire 5 remorques et 2 allers-retours à la déchetterie de Bouillé, d'ailleurs où quelqu'un m'a envoyé une dédicace. Non c'est trop, c'est trop. Moi je veux broyer quoi. Merci Slapir. Quoique, ça par contre, ça pour le coup, on avait vraiment ce micro-tracteur chez Madaron. Hein. Le bac, c'est bien si t'as un compost. Bah ouais, bac rempli d'herbe qui pue, bah ouais, putain. Vas-y, on va essayer. Petit essai de conduite. Et bien sûr, j'ai pu le conduire deux fois. Parce que soi-disant, c'est pas un jouet. Mais en fait, le beau-père, dès qu'il y a quelqu'un à la maison, il faut qu'il vienne se pavaner, qu'il fasse trois tours en mode genre « Regarde, t'as vu, c'est marrant et tout, personne n'a le droit de le tester. » Et en fait, lui, il fait juste vroom vroom et après, nous, on passe l'après-midi à fourcher, quoi. Nique ta grand-mère. Alors, regardez ce jeu qui est beaucoup trop réaliste quand même pour un jeu de tondeuse. C'est quand même fou parce que là, on est sur The Unreal Engine 12. Hein. Alors par contre, en fait, si, ça va, le framerate est à peu près cohérent, quoi. À l'odeur de l'herbe coupée, oui, mais pas en pleine chaleur. Hein. Une fois dans ton véhicule, appuie sur démarrer et conduire sur l'herbe. Chaque véhicule est différent. Alors, démarrer le moteur. Maintenez X. Change les paramètres d'accélération du véhicule avec gauche et droite. Ok. Allez, là tu t'enclenches la première vitesse, t'accélères et tu freines. Conduis jusqu'à la pelouse, maintenant que le véhicule a démarré, prends un instant pour t'habituer à conduire jusqu'à la pelouse pour commencer à tondre. Sois prêt à tondre, bordel ! Ça me rappelle mon voisin beauf qui tondre avec son Panzer tous les jours en été. N'engage jamais les lames quand tu te trouves pas sur l'herbe au risque de les abîmer, bordel! Bon, là du coup, par exemple, là, je suis hauteur de tonte 9 cm non engagé. Par exemple, là tu vois, je vais faire 5 cm. X pour engager et désengager les lames de la coupe.
Pour chacun de tes contrats, tu vas respecter une certaine hauteur de ton, bordel de merde. Tu devras tondre l'herbe à une hauteur différente pour chacun d'eux. Choisis une hauteur de tonte à 5 cm et tonds 20% de l'herbe. Pendant la tonte, la barre en haut à droite te montre ta progression. Oh mon dieu, ça y est! Je me rends compte qu'en fait c'est vraiment de la merde en boîte! Et la progression est ridicule. Il n'y a pas une caméra VR quoi. Franchement en VR je pourrais presque me dire que ça vaut le coup quoi. Mais attends, mais s'il suffit, ralentis, augmente la hauteur de tonte. Ah putain, d'accord, ok. Est-ce que il peut pas enculer trop d'herbe s'il est trop à ras et que tu bouges trop. Système métrique, marquage première personne, activé, ok. En visuel première personne. Mais du coup, il y a une première personne. LB sprint, tac 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 tac. Changer caméra avec Y. Ok, ça va. Ah, merci. Ah non, mais je veux pas le marquage du coup. C'est nul à chier. Voilà. Ça, on s'emmerde bien. Donc en fait, c'est juste que je rappelle. Ah merde, je suis en surcharge. Oh, je suis à 8 km/h. S'il faut tomber que 20%, autant trancher dans le lard. Hein. C'est qui pue la merde. En maintenant R renforcé sur place, tu lanceras proviolotique qui indique les zones où l'herbe a été tondue à la bonne hauteur. T'as le mode détective dans le jeu de tondeuse. Est-ce que ça fait une bite géante? Quoi? Mais attendez, je peux pas baisser plus la caméra là. Merci. Ah, attendez, la caméra est inversée, ça me saoule. Mais la caméra est totalement inversée, bordel! Sprint actif, appuyer, maintenir, activer. La caméra est totalement inversée! Voilà, là je fais haut, ça fait haut. C'est pas très cohérent cette histoire. En plus, mes roues marquent. Ouais, on pourrait faire mieux. Hein. Donc là, dites-vous, c'est l'entraînement. On est en train de tondre à 8 km/h et il faut faire que 20%. Ah putain, mais dès que ça accélère, c'est l'enfer. Qui est rempli qu'à un quart et là on a fait que 8%. Là faut faire que 20%, c'est l'ennui est total. Imaginez quand il faudra faire 100%.
C'est vrai qu'il n'y a pas l'odeur. Et déjà graphiquement, et les mecs ils sont partis loin quoi. Par contre le gazon, dans un jeu de gazon, le gazon qui apparaît devant toi à 2 mètres, c'est quand même compliqué quoi. Et hop, on revient. Allez, Titi, là. Je suis vieux, je m'emmerde. Après, si c'est pas toi qui fais les sacs, t'es littéralement payé à faire du kart, hein. Du kart à 2 à l'heure. Mais ça va bien se passer quoi. Pas non plus routier sur des grands axes à faire une Poitiers Poitiers-Barcelone tous les jours. Là, on va y arriver assez vite hein, au 20%. Après, ils iront se faire enculer. Hein. Je pense qu'on a bien mérité Georgine Brion. Ça fait du bruit quoi. Bordel. Gazon. Le gazon. Bon boulot, dans un vrai contrat, faudrait tout faire quand même et pas se branler la nouille. Quitter ce lieu. Quand il a chaud mon tonton, il boit quelques bières et sa tante de Zagazon, oh drôle de manière. Elle s'en va dans tous les sens, car tonton somnole. Et quand il siège, il descend, c'est plus qu'en rigole. L'autre jour, sans le voir, il a même tendu ce pauvre d'un peu confus de n'avoir plus de poil au dos. Le gazon. Le gazon. Je fais attention de pas écraser les hannetons. Alors, ceux qui savent, ça, c'est pas la version clip. Parce qu'il y a une version clip, donc on va la mettre plus tard après. Bien sûr. Mais je crois que Georgine Brion, elle est pas Twitch safe parce que elle est grosse loche.
On va conduire le gros bordel. Vitesse max 7 km/h. Mais l'autre elle va à 11. Ah ouais, mais attends, mais ça c'est speedrun. Genre, ouais, vas-y. Acheter un coupe-bordure. Bien qu'une tondeuse soit parfaite pour les grandes zones d'herbe, un coupe-bordure idéal pour tondre les longs des bordures et autres obstacles et autour d'obstacles. On pourra requérir une tondeuse et un coupe-bordure pour pouvoir être finalisé. On va acheter un coupe-bordure. Celui-là, 36 cm de plateau, il est à essence. Celui-là, il est sur batterie. Vas-y, Jeannot. Sélectionnons un contrat. Jardin avant. Quand tu sélectionnes un contrat, tu peux lire des informations. Ok. Bah ouais, cette tondeuse avec Jean-Mi, tonton. Tu peux commencer ton contrat en appuyant sur commencer. T'imagines si là c'était compatible avec la map de Flight Simulator? Tu peux tondre la terre entière. Par contre, il faut vérifier au sol. Tu vois, il y a trois objets. Ça, c'est mon pote qui m'a dit attention, hein, fais pas le noob. Par contre, regardez les murets qui apparaissent au loin, quoi. C'est ridicule. C'est un putain de jeu de gazon, quoi. Et on voit pas bien la nature. Bon, c'est cossu, hein. Très cossu. Ah oui, très cossu. Ah bah oui, ah bah alors là. Et pourtant, ils vont payer 100 balles pour prendre leur putain de gazon de riche ou de merde. Allez, par exemple, là, il y a une mine antipersonnelle. Ah, une crotte de chien, j'en ramasse avec mes mains, magnifique. Un bout de bouée, et puis du coup... Ça va, là? Juste pour être sûr, hein, ça rame pas chez vous, là. Parce que je stream en 50 FPS, c'est fluide. Y'a pas un problème du fait qu'il y ait trop de brins d'herbe, et du coup, ça fait trop de bruit à l'image, et du coup, ça rame comme sur Forza. Je vais devenir un junior zinzin si c'est pas fluide de streamer le jeu de gazon, quoi. Le fauve est à 90, mais effectivement, c'est beaucoup. Vous aimez bien vous plaindre, hein. Je sais pas qui vous a appris ça. C'est un peu plus logique, ça. Bon, alors. C'est parti. Tonde sous contrat. La vérification au sol est maintenant terminée. Tu peux maintenant tondre. Tu peux utiliser au choix ton coupe-bordure ou ton coup ou ton véhicule. Les coupes-bordures sont plus efficaces sur les près des bordures et les zones difficiles d'accès. Ton véhicule est plus efficace sur les grandes zones. Oh, il ronronne comme un charme, putain. Ah, mais elle a qu'une vitesse. Parce que moi... Notre tondeuse à gazon, elle avait une vitesse lièvre et une vitesse tortue. Alors là, ils veulent une tonte à combien? Tu peux terminer un contrat avant la fin en retournant dans le camion. Tu auras quand même de l'argent. Ah bah c'est très bien. Alors ça, justement, c'est... Est-ce qu'on peut maroufler, genre faire saloper le boulot, faire 50%, prendre 50% de l'argent, mais au moins on a gagné deux fois... On a le temps de faire 3-4 gazons, on a utilisé deux fois moins de temps. Par contre, ils ont dit qu'ils voulaient le... Ils ont dit qu'ils voulaient quelle hauteur? Ta performance de tonde va affecter l'argent, les PR que tu reçois issus du contrat. Tu vas utiliser l'équilibre entre vitesse et prudence. Évite d'abîmer les fleurs et la pelouse en tondant aussi rapidement pour bénéficier d'un bonus de temps. Ah, mais le bonus de temps il est max si tu fais que la moitié du. Si tu salopes le boulot. Mais par contre, attends, le. Ils ont dit combien de centimètres? Par contre, putain, waouh! Par contre, celle-ci, tu peux bourrer, waouh! C'est beaucoup mieux. Waouh, mais à 11 km/h, on va tout enculer. Yeah.
Big up Atsuko. J'ai salopé les parterres de fleurs. On est vraiment à chier, quoi. Ah merde, attendez. Faut faire le tour des arbres vers l'extérieur. Pour pas en foutre partout sur les parterres. Parce que sinon après il y a de l'herbe dégueulasse. Rigolez pas, parce que la prochaine map à tondre, c'est votre maman. Allez, on a promis la version clip tout de suite. Brasiliano Tom. Oh, c'est tellement salopé. Sa bite. Merci Enkyo.
soubrègue, des petits pois. Mais non, mais c'est quoi? C'est quoi cette version de 2 minutes? Non, ils l'ont enlevé! Remix Club, yes! Oh, c'est la même! C'est nickel, tout va bien. Je désengage les lames. Et j'ai fait rentrer des Warthogs dans des endroits plus étroits. Ah, regardez. J'avance d'un pixel. Toujours mieux qu'Astérix, hein. Ah pardon, attendez. Ah c'est bon, il éteint le truc tout seul. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut retourner dessus, on peut faire le plein pour 5$, changer les lames pour 50. On va prendre le coupe-bordure. Ah ouais. Oh, c'est si chiant! Oh là là, mais on va jamais s'en sortir! Oh, il faut ramasser l'herbe! Mais j'ai pas ramassé toute l'herbe du jeu, là! Non, non, niquez-vous, on va faire. On va mal dégrossir le truc. Ah oui, parce qu'on a pris un truc qui coupe l'herbe et qui la jette sur le côté. Et après, c'est pour que tu la ramasses, tu vois. Parce qu'il y avait une autre tondeuse qui broyait l'herbe, donc il n'y avait rien à faire, mais qu'elle est beaucoup plus lentement.
Il y avait celle avec celle qui coûtait moins cher, mais il y avait un bac à vider. Se fout la gerbe. Par contre, tu peux vraiment courir comme un cinglé. C'est hyper dangereux de tomber comme ça. Ça va plus vite qu'à la tondeuse. En plus, tu peux pas faire de dégâts, quoi. Tu peux détruire les fleurs ? Tu as abîmé les fleurs et reçu une amende. Ah bah nique ta mère, c'est quoi? Mais je la mets où l'herbe dans mon cul? Non mais là il est très bien ce gazon quoi, enfin de toute façon c'est pour que des mioches se cassent la gueule dedans. En jouant au foot, allez hop, on se casse. Oui. Quoi? Tu as rangé ton équipement dans le camion et ta tondeuse sur la remorque. Bah elle est pas sur la remorque là peut-être. En marche arrière, je crois que c'est ça. J'utilise monter sur le véhicule. Hein. J'utilise A. Hein. Je jure que j'utilise A. J'appuie sur A. Merde, j'ai engagé les lames. Ah, quel con. Oui. Ah, l'amour du travail bien fait. Oui, bah, je suis d'accord avec ce travail dégueulasse, ouais. Alors, bonus de temps et vérification du sol, 5 livres sterling. Revenu de vérification du sol, 20 livres. Bonus de temps, 0. Objet de valeur récupéré, 0. Pénalité et amende, 22 livres. 14 pour les fleurs détruites. 6 de collision, 2 livres de frais de nettoyage. Dégâts au sol, 0. Pénalité de hauteur de tonte incorrecte. Entretien du véhicule, 0. Au total, on a gagné 200 balles. Pas mal, hein. Faut se faire chier. Par contre, bonus de temps de tonte, j'imagine que c'est parce qu'il faut arriver à 90%. Voici le garage, je peux tout réparer. Oh, mais c'est bon. Ah ça c'est pas ça, c'est un autre jardin, ok. Mishmush. Ah attendez. Résumé, espace moyen, parterre de fleurs complexe.
Objectif 99,5% de tonte, mais jamais de la vie. Temps imparti de purification du sol est 30 minutes recommandées. Par contre, ils disent pas de virer l'herbe. Il y a une merde qui traîne, vous me dites. Hein. Ah! Un caca. Un gazebo. Vous savez qu'on dit gazebo en anglais? Et c'est aussi un super nom de groupe de synthwave. Gazebo. G-A-Z-E-B-O. Je sais plus d'où, quelle est l'étymologie pour gazebo. Alors que nous, on dit un kiosque, quoi. Mais on dit gazebo. G-A-Z-E-B-O. Saviez-vous ? On peut se mettre du gazebo. Hein. On peut s'écouter du gazebo, vous allez kiffer. Hein.
Là, c'est déjà vu, quoi. On repassera avec la truc, t'inquiète. Mais comment ça que 33%, j'ai l'impression qu'on a tout défoncé là. J'ai un peu l'impression que le jeu se fout de notre gueule. Allez tiens, prends ça dans tes rousses trémières, vieille morue. Tout ça parce que je travaille dehors, je suis un peu plus bronzé que toi, tu as commencé à me parler en espagnol, nique ta mère. En fait, ce jeu n'a pas le droit d'être aussi, aussi bien produit. Ça me fait vraiment une heure qu'on tombe la pousse. Quoi. Sachant que je vais rentrer chez moi, je vais avoir la flemme de faire les lessives, tu vois. Alors que là, il y aurait eu Lessive Simulator sur le Game Pass, j'aurais passé 2 heures. Sachant que c'est des vraies marques de tondeuse. Hein. Non mais, on s'est fait avoir avec... Unpacking déjà. Mais franchement, tu mets un mode dans Valheim où tu peux tondre le gazon chez toi, c'est magnifique. J'avais pas fait Gas Station Simulator, mais on a Car Wash Simulator hein, sur PS2 qui nous attend. Hein, il attend que nous. Hein. Et là, je veux vous mettre Gazebo Masterpiece. Activé quand même, hein, bordel. Après. Tapez 1 si vous avez jamais regardé de stream de Road Truck Simulator de votre vie. Bah moi non plus j'avoue. En fait j'ai peut-être confondu Gazebo avec Clio. Et en fait les sons de Gazebo ils sont pas ouf. Peut-être un groupe de merde en fait. Ah, tu vois, ça fait un caca d'herbe par terre. Oui, ça va, je vais la ramasser, ton gazon. Alors ça, par contre, ça n'existe pas, hein. S'il y a un coup de pied à mettre ou un truc à bouger vite fait, personne coupe le moteur. Hein.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a souvent une protection quand tu te lèves, le moteur s'arrête. Ah, ça c'est moderne. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu dis hey, gamin, enlève la merde là, putain. Imagine le budget repérage. Pour une semaine, vous allez tendre le gazon des gens autour de vous. Il n'y a plus trop de place pour refaire une forme avec le gazon, quoi. Par un os de chien, on va pas faire grand chose. Hein. Ça, on a déjà niqué la moitié de l'essence, quoi. Attends, on avait pas fait le tour de ce parterre là? Oh là là, mais quel enfer! J'ai perdu un doigt en tombant, je peux dire que voir ce jeu me fait mal, je préfère quand même que les gens fassent ordinateur plutôt qu'en vrai. Ah mon pauvre, je suis désolé. C'est vraiment. C'est, en plus ça va être si rageant parce que. Enfin, je sais pas si c'était avec tes parents ou quoi, mais ils doivent s'en vouloir. Non, non mais pas en repeat s'il vous plaît Gazebo. En fait je voulais vous mettre Clio. Clio Faces, elle tue. À approcher les 90%. C'est marrant de viser avec le volant en fait, c'est presque mieux. Après je trouve que le shader de l'herbe est pas si bien quoi. Pour un jeu de gazon, ça pourrait être mieux quoi. C'est le truc qui devrait être bien fait, c'est pas si fou. C'est juste des petits poils quoi. Ça vous pouvez rêver que c'est il y a deux mains dessus, on vise très mal mais bon. On va être à 90%. Le truc c'est que pour faire les 10% restants on va se faire engueuler, enfin ça va être chiant quoi. Clio comme une Clio. Hein. Par contre la vibration te laisse bien sentir que t'es en train de tomber, c'est vraiment marrant quoi.
ça te valide ton input quoi. Et genre ah oui là il y a de l'herbe sous le... là il y a de l'herbe sous nous là. Franchement, si vous voulez que votre homme fasse des tâches ménagères, gamifiez ses tâches ménagères. Hein. Dites-lui que pour l'instant, il est level 0 en vaisselle. Et que quand il sera level 2, il pourra avoir des gants d'une autre couleur et il va se douter. Hein. Et dites-lui que son pote, il a déjà les gants rouges. Et vous dites pas combien il faut de score. Il sera ouf. Il y a déjà des gants samouraï, comme dans Halo. Il y a déjà un tablier samouraï. Quand il passe la vaisselle, il va dire quoi ? Ah bah ouais, il est déjà prestige 2 de la vaisselle, donc il est reparti à main nue. Quoi ? Putain, mais oh là là, laisse tomber. Je vais tout nettoyer toute ma vie. On a 10 minutes pour finir les 5% restants là. Et sur ça, on a bien fait de prendre cette tondeuse qui est plus rapide que les autres. Tu perds 5 minutes rien que sur le fait que les autres elles se traînent le cul. Cette petite touffe là. Là, faut s'arrêter pour regarder la vision d'aigle. On arrive à 96%. Est-ce que vous croyez qu'il faut que j'enlève les pâtés ? Est-ce que vous croyez qu'il faut que j'enlève les pâtés et que j'aille chercher la petite truc? C'est vrai que le refrain il est en français de Eyes. Il y a de quoi y perdre la tête pour toi. Il y a de quoi y perdre la tête pour toi. Grosse vibe d'un autre groupe français qui s'appelle Freeze Pop, qui est beaucoup plus récent. Qui était en featuring sur Guitar Hero, j'ai appris comme ça, qui a fait une reprise de Jam super cool. Et là ce son il est très freeze pop je trouve. Sur la façon de la voix quoi. L'usage de la voix, je sais pas ce que vous en pensez.
putain. Ça va être chiant de gratter. Ça, c'est le plus gros jeu qui vous explique la loi de Pareto. C'est genre, attendez, je suis quand même payé 80% de ce qui était prévu si je fais que 80% du boulot, alors qu'en fait, ça me prend le double du temps de passer de 80% à 100%. Ben, niquez-vous. Prenez votre gazon tondu en diagonale, filez-moi la moitié du fric et puis je me barre. Parce que comme ça, j'ai gagné une demi-heure de ma vie. Et ça, pensez-y même dans votre travail de tous les jours. Ou même pour vos examens, attendez. Plutôt que de travailler toute l'année pour avoir félicitations du jury sur votre mémoire que tout le monde s'en bat les couilles, ben, travaillez 2 mois, vous savez que vous aurez votre mémoire, et puis allez boire des coups. Parce que de toute façon, à part au bout de 6 mois, merci Disco Freak, au bout de 6 mois, vous savez que vous serez que dans l'optimisation pour passer de genre, ok, j'ai mon master, à j'ai félicitations du jury. Vous faites rien. Courez comme ça dans l'herbe. Tout nu. Parce que le temps reste la seule monnaie non remboursable. Hein. Quand vous l'avez perdu, vous l'avez perdu. Putain, mais attends, mais où est-ce qu'on va trouver les 2% qui restent, quoi? Putain, mais regarde, c'est des petits trucs par-ci, par-là, là. Oh, c'est chiant. En plus, ça trigger l'OCD des gens, quoi. Non, mais depuis tout à l'heure, je coupe rien ou quoi? Oh mais non, mais vous êtes chiés. Il faut couper autour des fleurs alors qu'en fait ça casse les bonbons, quoi. Pas de pénalité. Putain, mais plus que 5 minutes pour trouver 1% d'herbe. Rien que d'enlever les gros pâtés là, c'est horrible. Ouais, du coup, faut bien regarder en bas parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je fais rien quoi. Ah, Hypnotic Tango. Incroyable ce titre. Ce titre aussi est un des meilleurs de son histoire. Des fois, c'est l'ombre qui me perd. Je trouve qu'il y a un petit problème graphique, hein, que genre c'est pas aussi apparent que ça quand c'est pas coupé, quoi. Alors que IRL, tu le vois tout de suite, quoi. Putain, ça coupe pas.
On cule des mouches, c'est abusé. Genre là, on le voit même pas, le brin d'air qui existe pas, quoi. RIP la fleur. Ce son est tueur. Regarde, ça fait même pas 0-1. C'est la bordure, elle est mal faite, ça devrait se voir du premier coup d'œil. Hein. On encule des mouches. T'as déjà défoncé 3 fleurs, ça te coûtait plus que 5 brins d'air que tu aurais dû oublier en amende. Disparaît en fait. Ah, et Fatigue Tango, c'est une masterclass, bien sûr. Écoute Hypnotic Tango de My Mind. Ouais, 99%, nique ta mère. Ah, c'est plus propre que tout à l'heure. Ah, ça va, les fleurs détruites nous ont coûté 6$. Mais tu vois, on n'a pas bonus de temps de tonte. Parce qu'on pue la merde et qu'on n'a pas fait 95%. On a attendu que 99%. On peut désormais améliorer le QG de l'entreprise. On n'a pas assez d'argent. On peut faire de la publicité. Sur les réseaux sociaux. Allez, 250 balles de... Mais je n'ai pas de QG. Garage disponible. Valeur actuelle du QG, 150 000 livres sterling. Ok. Non, mais pour l'instant, il vaut 150 000. C'est tout. C'est juste, il n'y a rien. Pour l'instant, j'aime bien celui. Ah, on peut faire des prêts. Non, quel horreur. Ça me stresse. Benzai Live! Il est minuit 17 en plus, faut que j'aille chercher mon train.